à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce merveilleux châle que vous pouvez voir. Donc, c'est un châle dentelle. Il est vraiment juste trop joli. Il a des détails comme ça sur les bords. On dirait, je sais pas. Ça fait vraiment le printemps en fait, les beaux jours, l'été qui arrive. Et c'est vraiment idéal. C'est vraiment le genre de petit foulard qu'on a envie de porter, que ce soit sur les épaules avec une robe ou que ce soit autour du cou avec une petite veste en jean. Ou, voilà, c'est vraiment quelque chose de super joli. J'ai utilisé, vu que le modèle est très simple, vous voyez, le coton loco que j'adore. Il est hyper doux, hyper léger. Je suis vraiment très contente du résultat. Quand j'ai vu ce vert, en fait, ça m'a vraiment inspiré ce châle et j'ai trouvé que la couleur allait parfaitement avec le modèle. Ah bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Et sur ce, on va voir de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour réaliser le châle, vous allez avoir besoin donc de coton loco. Alors j'ai utilisé la couleur 05 pour les personnes qui voudraient exactement le même. Donc c'est la couleur 05. Moi, pour la quantité, j'ai utilisé 2 pelotes. Je ne l'ai pas fait très très grand, je l'ai fait vraiment style été. On a peut-être moins envie de s'enrouler en été en fait qu'en hiver. Donc du coup, j'ai utilisé 2 pelotes. Je vais vous marquer la dimension du châle sur l'écran. Donc voilà, si vous le voulez un petit peu plus grand, ben, n'hésitez pas à utiliser 3 pelotes. Ensuite, j'ai crocheté tout ça avec le crochet 4 mm. Vous allez avoir besoin également d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et optionnellement de perles pour mettre juste là en fait au niveau du pompon avant de les coudre. À vous de voir. Dans le tutoriel, je vous montre comment utiliser la perle. Donc voilà de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser ce magnifique châle. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce merveilleux châle, il est pour vous. Tout simplement, pour pouvoir le recevoir à la maison, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, donc lydiacrochettricot.com. Peu importe les articles achetés et peu importe le montant de la commande, vraiment tout le monde est pris en compte. Donc tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel, comme je vous dis à chaque fois, qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes et ça sera donc cette personne-là qui remportera le châle, qui le recevra chez elle. Écoutez, j'espère que ça lui fera plaisir pour cette nouvelle saison qui arrive là, le printemps, l'été. C'est trop bien d'avoir ce genre de châle dans le placard, dans la garde-robe. Vous avez frisqué, vous sortez votre petit châle et ça complète également parfaitement une petite veste en jean ou un petit gilet. Voilà, je suis tellement contente en fait quand les beaux jours ils arrivent. Voilà, ben écoutez, sur ce, j'espère que ça vous plaira, que vous l'adorerez, que vous adorez le porter et surtout le réaliser. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. On va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant va venir donc le fixer, vous passez en dessous ici, vous récupérez la deuxième boucle, on tourne un petit peu et on vient fixer avec 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Maintenant, toujours dans ce nœud coulant, on va venir faire une deuxième bride. Comme ceci. Le nœud coulant, vous pouvez un petit peu le serrer pour que le petit trou devienne plus petit. Ça va être beaucoup mieux en fait pour travailler dedans. Donc, maintenant qu'on a ceci, vous allez venir séparer avec une maille en l'air. Au même endroit, toujours dans le nœud coulant, 2 brides. Une. Deux. De nouveau, une maille en l'air. Je pique au même endroit, 2 brides. Donc là, c'est mon troisième groupe de 2 brides. Donc une et au même endroit, une deuxième bride. Une maille en l'air de séparation. Au même endroit, un quatrième groupe. Une et deux. Maintenant qu'on a fait ces 4 groupes, on vient serrer complètement ce nœud coulant. Là, on a terminé le rang numéro 1. Maintenant, on tourne et on commence ici le rang 2. Où on va faire toujours la même chose au départ de tous les rangs. On fait une maille coulée entre 2 brides et 2 brides. Là où on a fait la maille en l'air, ben, automatiquement, vous savez que vous devez piquer et faire une maille coulée. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on pique et on fait ici une bride, une maille en l'air et toujours au même endroit, 2 brides. Une et deux. Maintenant, après ceci, vous faites 2 mailles en l'air. Vous allez au milieu. Vous voyez, il y a de nouveau une maille en l'air.
entre le deuxième groupe et le troisième, vous voyez, ici. Vous refaites la même chose, un motif. Donc, c'est-à-dire deux brides, une et deux, une maille en l'air de séparation, et au même endroit, deux brides. Une et deux. Deux mailles en l'air de séparation, et c'est reparti. Vous allez dans l'espace suivant, entre le troisième groupe et le quatrième. Dans le petit espace, vous piquez et vous refaites la même chose. Deux brides, donc une et deux, une maille en l'air et deux brides, toujours dans le même espace. Une et deux. Là, on a fini complètement le rang numéro 2. Maintenant, ici, on retourne et on passe au rang 3. Rappelez-vous ce que je vous avais dit tout à l'heure, on commence tous les rangs de la même manière. Vous venez entre ici, où il y a la maille en l'air, du motif de bord, et vous faites une maille coulée. Là, vous refaites un motif de bord. Trois mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et deux brides. Ça va être toujours ça, notre motif de bord. Une et la deuxième bride. Maintenant, on fait une, deux, trois, quatre et cinq mailles en l'air. On vient ici. Vous voyez, dans l'espace suivant, on a trois motifs ici. 1, 2, 3. Et bien, entre le premier et le deuxième dans la boucle, vous venez piquer, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous allez au milieu, et au milieu, vous voyez, de ce motif-là, du centre, vous faites un motif. Au milieu du châle, il y a toujours un motif, et dans les extrémités aussi. Deux brides, une maille en l'air, et au même endroit, deux brides. Une et deux. Comme ceci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ici, dans l'espace entre les deux motifs, on se plaque avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on termine au milieu du motif ici, vous voyez, de bord, en faisant un motif de bord. Donc, deux brides, 1, 2, une maille en l'air et deux brides au même endroit. Une et deux. Comme ceci. Là, on a terminé complètement le rang numéro 3. Vous voyez, je vous montre ce que ça donne. Comme ceci. Maintenant, on retourne, on passe au rang 4. On commence tous les rangs de la même manière. Donc, on fait une maille coulée au milieu du motif de bord. Vous piquez, vous commencez par votre maille coulée. Une, deux, trois mailles en l'air qui est une bride. Au même endroit, une deuxième bride. Une maille en l'air et toujours au même endroit, deux brides. Donc, une et deux. Maintenant, on fait une, deux, trois, quatre et cinq mailles en l'air. On a deux boucles qui se sont formées. Dans la première, ici, on fait une maille serrée. Une maille en l'air de séparation. Ici, entre boucle et boucle, on a la maille serrée. Mais par-dessus, on va faire une petite V. Donc ici, sur la maille serrée, vous faites une bride, deux mailles en l'air, et toujours au même endroit, vous repiquez, et vous faites une deuxième bride. Une maille en l'air de séparation, et vous vous plaquez sur la deuxième boucle qu'on a ici. Maille serrée. Maintenant, là, on a formé, vous voyez, une petite V qu'on va venir remplir par la suite, que je vous montre, avec nos motifs pouf. Vous voyez? Là, on est là. Donc maintenant, une fois qu'on a ceci, on fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air et on vient faire le motif de centre. Donc deux brides, 1, 2, une maille en l'air et au même endroit, deux brides. Une et deux. Maintenant, du côté gauche, on doit faire ce qu'on a fait du côté droit. Parce que c'est ça l'échelle en fait, il faut que ça soit symétrique. Donc, on commence. 1, 2, 3, 4, 5. On a de nouveau les deux boucles. Dans la première, vous piquez, vous faites une maille serrée. Une maille en l'air de séparation. Et sur la maille serrée, vous faites une bride, deux mailles en l'air et une bride. Toujours sur cette même maille serrée. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant, on vient se plaquer sur la boucle, la grande boucle, par une maille serrée. Maintenant, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et on termine ici au milieu du motif de bord en faisant notre motif de bord. Donc 1,
2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2, comme ceci, que je vous montre un petit peu. Vous voyez? Donc là, de chaque côté, on a une grande boucle, une petite V, une grande boucle. Et les motifs ici qui ne vont jamais changer. Chaque fois, il faudra respecter ces motifs-là. Maintenant, donc, on retourne, on passe au rang suivant, donc au rang numéro 5, où on fait une maille coulée au milieu du motif de bord, et on fait notre motif de bord. Donc, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Donc, après le motif de bord, on continue avec 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Dans la grande boucle qu'on a ici, au milieu, maille serrée. Maintenant, quand vous arrivez ici, vous voyez, ici on va dire la prochaine boucle, c'est la petite V. Donc ici, on sait qu'on doit faire le motif pouf, donc les 3 points pouf. Mais on commence en faisant une maille en l'air. Maintenant, dans la petite V, vous écartez et dedans, c'est là qu'on va venir travailler. Donc ici au milieu, on fait un point pouf de 5 jetés, donc 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. On sépare avec 2 mailles. Au même endroit, on pique et on en refait un deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme tout et on fixe. 2 mailles en l'air. Au même endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. Maintenant qu'on a les 3 points pouf, vous faites une maille en l'air et vous vous plaquez sur la grande boucle qu'il y a avant le motif du centre. Maille serrée. Vous voyez, là on a fait notre petit point ici, pouf. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4, 5 et on fait le motif ici de bord. 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Donc du bord, c'est toujours la même chose, c'est comme le bord en fait. Hein. C'est juste que là, on le fait au centre. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Ici, on a une grande boucle. Au milieu, maille serrée. Maintenant, ici, on a la petite V. Donc, on doit faire une maille en l'air, ici. Au milieu de la V, les 3 points pouf. Donc, de 5 jetés. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. 1 et 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit un troisième. 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. Une fois qu'on a les 3, une maille en l'air de séparation et on se plaque dans la grande boucle qu'il y a juste avant le motif de bord. Vous voyez? 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et on termine en faisant au milieu du motif de bord, un motif de bord. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2 brides. Vous voyez? Comme ceci. Là, on a fini complètement le rang numéro 5. Maintenant, un petit mémo. Vous savez que j'aime bien vous aider en fait pour mémoriser tout ça. Il faut savoir que à chaque fois qu'on termine le rang où on fait les points pouf, vous savez que pendant 2 autres rangs, on doit faire que des boucles individuelles. Donc, ça va être très très simple. Juste, je vais vous dire bien sûr où il faut se plaquer avec les mailles serrées. Mais autrement, dans votre tête, ça doit être un rang avec les petites V. Un rang avec les points pouf, 2 rangs avec des boucles simples, tout simplement. Donc voilà. Alors, on commence le rang numéro 6 en faisant le motif de bord. Donc ici, on vient se faire une maille coulée. On monte avec 3 mailles, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Maintenant, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 4 et 5 mailles en l'air et on se plaque sur la première grande boucle qu'on a comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ici, vu qu'on a le motif pouf, on vient se plaquer entre le premier et le deuxième point pouf par une maille serrée.
1, 2, 3, 4, 5. On vient entre le deuxième point pouf et le troisième, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient dans la grande boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et au centre du motif, un motif. Une, deux brides, une maille en l'air et deux brides. Et la deuxième bride. Comme ceci. Vous voyez? Donc là, je vais vous compter, on a 5 boucles. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? On continue en faisant la même chose de l'autre côté qu'on a fait ici. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On va dans la grande boucle qui suit le motif du centre et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. On va ici entre le premier point pouf et le deuxième. Maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Entre le deuxième point pouf et le troisième, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la grande boucle qui nous reste de disponible, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et on termine en faisant au milieu du motif de bord, un motif de bord. Donc, 1, 2 brides, une maille en l'air. Et au même endroit toujours, 2 brides. 1, et deux. Comme ceci. Vous voyez? Ici, on commence à part notre maille coulée et le motif de bord. Donc ici, 1, 2, 3. Au même endroit, une bride, une maille en l'air et deux brides. 1 et 2. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Dans la première boucle, maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et quand vous avez fait toutes vos boucles, on fait au centre du motif de bord un motif ici de centre. Deux brides, une maille en l'air et deux brides. Une et deux. Vous voyez? Donc là, on est passé, donc on avait 5 boucles, maintenant on en a 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire exactement la même chose de ce côté-là. Donc, on commence. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la première grande boucle, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la deuxième boucle, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on termine ici par le motif de bord. 1 et 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? Là, on a complètement terminé. Donc ici, dans ce châle, je vais juste dézoomer un tout petit peu. Donc ici dans ce châle, ce qui se passe, vous allez avoir l'impression qu'il est trop en pointe, vous voyez? Mais en fait après avec le poids des motifs de bord et tout, on a vraiment, vous voyez, ça se détend en fait, évidemment. Et ça fait parfait, vous voyez? Donc voilà, maintenant on repart. Donc là quand on a les deux rangs consécutifs de boucles, vous voyez, 1, 2, on sait qu'on doit refaire le rang où on fait les petites V ici. De préparation pour faire les points pouf. Donc, on commence. On fait une maille coulée au milieu. Une, deux, trois mailles en l'air. Au même endroit, une deuxième bride. Une maille en l'air et deux brides. Une et deux. Une, deux, trois, quatre et cinq mailles en l'air. Dans la première grande boucle, on vient se plaquer par une maille serrée.
une maille en l'air et sur la maille serrée, une bride, deux mailles en l'air et au même endroit toujours, ici, sur la maille serrée, on fait une deuxième bride. Une maille en l'air de séparation et on vient se plaquer sur la boucle suivante par une maille serrée. Un mémo que je vous donne, quand c'est le rang en fait où on fait les petites V, vous devez tout simplement commencer par les 5 mailles en l'air et vous plaquer dans la première des boucles. Et ensuite, entre la première boucle et la deuxième, vous savez, la maille serrée, c'est là qu'on fait la première V. Ensuite, chaque petite V, on va venir l'espacer de 3 boucles. Donc, on commence, on fait la première boucle. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la boucle suivante, on se plaque. 1, 2, 3, 4, 5. On se plaque dans la boucle suivante. Là, on a déjà fait 2 boucles. Vous voyez, depuis la petite V, on a 1, 2. On en fait donc une troisième. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On se plaque dans la boucle suivante par une maille serrée. Quand on a ces 3 boucles, on doit refaire une petite V. Donc n'oubliez pas, on fait une maille en l'air et la petite V, elle se fait sur la maille serrée qui suit. Vous voyez, automatiquement. Ici, une bride, 2 mailles en l'air et une bride toujours au même endroit. Une maille en l'air de séparation et on se plaque dans la grande boucle qui suit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on fait au milieu du motif de centre un motif de centre. 1, 2 brides, une maille en l'air et toujours au même endroit, on refait 2 brides. 1 et 2. 1, 2, 3, 4, 5. On se plaque sur la grande boucle. Maintenant, je sais, comme de l'autre côté, que je dois faire la petite V. Donc, on la fait. Une maille en l'air et sur la maille serrée qui suit, on fait la petite V. Une bride, deux mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air de séparation et on se plaque sur la grande boucle. Maintenant, je sais que je dois faire 3 grandes boucles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. Et là, quand j'ai mes 3 boucles, vous voyez, 1, 2 et 3, je sais que je dois refaire une petite V. Donc, on l'a fait. Une maille en l'air de séparation. Sur la maille serrée suivante, toujours la même chose, hein, une bride, deux mailles en l'air et toujours au même endroit, une bride. Une maille en l'air et on termine en se plaquant sur la grande boucle qui suit. 1, 2, 3, 4, 5 et on fait le motif de bord. Donc, une bride, une deuxième, une maille en l'air et deux brides. Une et deux. Là, on a fini complètement le rang. Donc, je vous montre ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce rang? C'est très simple ce qu'on a fait. On est venu se préparer en fait pour faire un motif pouf ici, un motif pouf ici. Donc, de 1, on en aura 2. Maintenant, on est sur le rang où on doit remplir ces petites V. Donc, on vient faire une maille coulée, notre motif de bord, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et deux brides. Une et deux. Une, deux, trois, quatre et cinq mailles en l'air. De toute façon, après chaque motif de bord et ici au milieu, avant et après le motif central, il y a toujours 5 mailles en l'air. On se plaque sur la grande boucle. Et on fait notre ici remplissage de la petite V. Donc, une maille en l'air. Dans cette petite V, vous faites 1, 2, 3, 4 et 5 jetés. On ferme tout et on fixe avec une maille serrée. Deux mailles en l'air de séparation au même endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. Deux mailles en l'air au même endroit et on fixe. Une maille en l'air de séparation et on se plaque sur la grande boucle suivante. 1, 2, 3,
4, 5. On va dans la boucle suivante. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, une maille serrée. Et là, on atterrit dans la grande, enfin dans la petite V qu'on a ici. Vous voyez? Donc là, on doit refaire le remplissage. Vous savez que quand on est sur le rang où on fait les petites V, on a trois grandes boucles à faire. Et bien là, entre chaque remplissage, il y en a deux. Ça peut vous aider aussi, un petit mémo de plus. Donc voilà, une maille en l'air, ici, dans la petite V. Un point pouf, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. Deux mailles en l'air, au même endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. Deux mailles en l'air, au même endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. Une maille en l'air et on se plaque dans la grande boucle. Vous voyez? On a fini nos remplissages. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4, 5 et on fait le motif du centre. Une, deux brides, une maille en l'air et deux brides. Une et deux brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la grande boucle, maille serrée. Là, je vois tout de suite que je dois remplir. Donc, je remplis. Je fais toujours la même chose. Une maille en l'air et au centre de la V, les trois points pouf. 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. Deux mailles en l'air. Au même endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. Deux mailles en l'air, au même endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. Une maille en l'air. Dans la grande boucle suivante, maille serrée. Vous voyez? Tout simplement. Et on continue, écoutez ainsi. Donc, maintenant, on doit repartir avec une grande boucle. Dans la grande boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la grande boucle suivante, maille serrée. Une maille en l'air et le remplissage. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. Deux mailles en l'air. Au même endroit toujours. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. Deux mailles en l'air. Au même endroit une troisième. 2, 3, 4 et 5. On ferme tout et on fixe. Une maille en l'air de séparation. On se plaque dans la dernière boucle. 1, 2, 3, 4, 5. Et on termine par le motif de bord au milieu. On refait un motif de bord. Deux brides, une maille en l'air et deux brides. Une et deux. Je vous le mets bien. Comme ceci. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Voyez? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer aux deux rangs de boucles normales. Vous savez exactement ces deux qu'on a fait ici. Donc, on retourne. On passe au rang suivant. Maille coulée, motif de bord. Donc une bride, une maille en l'air et deux brides. Une et deux. Maintenant, on fait une, deux, trois, quatre et cinq mailles en l'air. Dans la boucle qui suit, on se plaque par une maille serrée. Une, deux, trois, quatre et cinq mailles en l'air. Ici, on atterrit au motif pouf. Entre le premier et le deuxième, maille serrée. Trois, quatre, cinq. Entre le deuxième et le troisième, maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans la boucle suivante, maille serrée. 5 mailles en l'air de nouveau. Dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on atterrit de nouveau dans le motif pouf entre le premier et le deuxième. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Entre le deuxième et le troisième, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la dernière boucle, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et au motif du centre, on fait un motif.
une, deux, une maille en l'air et deux brides. Une et deux, comme ceci. Donc là, je vais venir vous compter les boucles qu'on a obtenues, si ça peut vous aider. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 9. Dans le rang suivant, on en aura 10. Donc, on continue en faisant 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on vient dans la boucle suivante se plaquer par une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le motif pouf ici, entre le premier et le deuxième point pouf, une maille serrée. 5 mailles en l'air. Entre le deuxième et le troisième, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, maille serrée. 5 mailles en l'air. C'est toujours 5 mailles en l'air, hein, tout le rang. Vous allez venir maintenant entre le premier et le deuxième point pouf, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Entre le deuxième et le troisième, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la dernière grande boucle, maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on termine par le motif ici de bord. 1, 2 brides. 1 maille en l'air et 2 brides, toujours au même endroit. 1 et une deuxième bride. Là, on a fini le rang complètement. On a de nouveau les 9 boucles sur le côté ici, comme on a de ce côté-là. Donc, on retourne. On fait le deuxième rang normal, avec que des boucles. Donc, maille coulée, motif de bord. 3 mailles en l'air, 1 bride, 1 maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. 1, 2, 3, 4, 5. Au centre de la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Au centre de la boucle suivante, une maille serrée. 3, 4, 5. Au centre de la boucle suivante, une maille serrée. Et on fait ça jusqu'à terminer. Vous voyez, dans toutes les boucles, on se plaque par une maille serrée. Et autrement, on sépare tout de 5 mailles en l'air. Tout simplement. Fait le motif de centre. Une, deux brides, une maille en l'air et deux brides toujours dans le même espace. Une et deux. Une, deux, trois, quatre, cinq. De nouveau, on se plaque sur la grande boucle suivante. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans la grande boucle suivante, maille serrée. Et on fait ça en permanence. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et maintenant, on termine par le motif de bord au milieu. Une, deux, une maille en l'air et deux brides. Une et la deuxième. Là, on a fini le rang. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est le rang où on fait les petites V de préparation, tout simplement. Donc on commence toujours de la même manière, donc déjà on retourne. On fait ici une maille coulée au milieu du motif de bord. Une, deux, trois mailles en l'air. Au milieu, une bride, une maille en l'air et deux brides. Une et deux. Maintenant, on continue. En faisant 1, 2, 3, 4, 5. Les rangs de préparation où on fait les petites V, on commence comme ça tout le temps. Donc 5 mailles en l'air, on se plaque dans la première grande boucle. Et directement ici sur la maille serrée pardon, qui suit, c'est là qu'on fait la première petite V. Ça doit être automatique dans votre tête. 5 mailles en l'air, on se plaque. Et maintenant, on fait la petite V. Donc, une maille en l'air. Dans la maille serrée, vous faites une bride, deux mailles en l'air et une bride toujours au même endroit. Une maille en l'air.
on se plaque sur la boucle suivante. Et à partir de là, on doit faire les trois grandes boucles entre petite V et petite V. 1, 2, 3, 4 et 5, on se plaque. Là, on a la première. 1, 2, 3, 4, 5, on se plaque. On a la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, on se plaque. On a la troisième. Une fois que vous avez ces trois, 1, 2, 3, on doit faire la petite V. Donc, rappelez-vous, une maille en l'air, je vais dans la maille serrée et ici, je fais une bride, deux mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air et on se plaque dans la boucle suivante. À partir de là, vous devez faire de nouveau les trois boucles. 1, 2, 3, 4, 5. On se plaque. 1, 2, 3, 4, 5. On se plaque. On a la deuxième déjà. 1, 2, 3, 4, 5. On se plaque. On a la troisième. Une maille en l'air dans la petite maille serrée qui suit. On doit faire notre petite V. Une bride. Deux mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air, on se plaque dans la maille suivante, enfin dans la boucle suivante, et là on atterrit pile poil juste avant le motif du centre. Vous voyez? Et on a fait toutes nos petites V séparées de trois grandes boucles. Petite V, une, deux, trois boucles. Petite V, une, deux, trois boucles. Vous voyez? Petite V, et là, vous voyez, on doit terminer par une, deux, 3, 4, 5 et le motif du centre. Une, deux brides, une maille en l'air et deux brides. Une et deux. Vous voyez? Donc, ici, vous avez toujours, avant de commencer ce rang, une boucle. Avant la première petite V. Et après la dernière petite V, une boucle également. Donc les 5 mailles en l'air qu'on fait avant de faire le motif central. Donc maintenant, vous refaites exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous savez tout de suite que vous devez faire 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle, une maille serrée et là, une petite V. Comme là, de la même chose, vous voyez? Donc une maille en l'air et dans la maille serrée, une petite V. Une bride. Deux mailles en l'air et au même endroit toujours, une bride. Une maille en l'air, on se plaque sur la boucle suivante. Et à partir de là, trois grandes boucles, une petite V. Trois grandes boucles, une petite V. Donc, on en fait la première. On se plaque. 1, 2, 3, 4, 5. On fait la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait donc la troisième. Comme ceci. Maintenant, je sais que je dois faire de nouveau une petite V. Donc, une maille en l'air. Et sur la maille serrée, la petite V. Une bride, deux mailles en l'air. Et au même endroit toujours, une bride. Une maille en l'air de séparation. Dans la grande boucle, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et je me plaque. Là, on a une boucle. 1, 2, 3, 4, 5. Et je me plaque. On a la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Je me plaque. J'ai la troisième. Une maille en l'air et sur la maille serrée, la petite V. Une bride, deux mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air de séparation et dans la dernière grande boucle, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et je termine par le motif de bord. Une bride, une deuxième, une maille en l'air et les deux brides. Une, et deux. Et là, on a terminé le rang de préparation. Maintenant, on retourne et on doit faire le rang ici de remplissage. Donc, le commencement, de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est ici une maille coulée au milieu. Une, deux, trois mailles en l'air qui équivaut à une bride. Au même endroit, une bride, une maille en l'air et deux brides. Et la deuxième. Comme ceci. Maintenant, après le motif de bord, on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la grande boucle qui suit, une maille serrée. Et là, vous voyez tout de suite que vous devez faire votre remplissage.
et je fixe. Une maille en l'air, une fois qu'on a les trois, et on se plaque dans la boucle suivante. Vous voyez? Donc à partir de là, 5 mailles en l'air tout le temps. 1, 2, 3, 4, 5. Je me plaque dans la boucle suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Je me plaque dans la boucle suivante. Et là, quand j'atterris dans les petites V, ben vous devez juste faire ceci. Vous voyez? Et à chaque fois, on augmente une petite fleur. Donc je vais appeler ça des fleurs. Donc là, 1, ensuite 2. Maintenant, il y en aura 3. Donc 1, 2. Et 3, ensuite elle aura 4, 5, etc. Donc, vous continuez, là c'est vraiment la répétition de celui-ci. Donc, vous finissez ce rang-là, normalement. Ici, après le dernier remplissage, vous vous plaquez, 5 mailles en l'air et le motif d'angle. 5 mailles en l'air, je me plaque, je remplis, et de nouveau la même chose. Donc, vous allez venir continuer votre châle en répétant toujours, toujours les mêmes rangs en fait. Hein, le remplissage de rang normal et le rang de petite V. Et de nouveau, le remplissage de rang normal de boucle et les petites V. Donc ça, vous allez le faire. Moi, personnellement, je n'ai pas fait un énorme châle. J'ai fait ici, donc là, je vais venir vous compter combien de fleurs j'avais à la dernière séquence que j'ai fait moi. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'avais 8 fleurs et là, je me suis arrêtée. J'ai trouvé ça vachement grand déjà, mais bien sûr, vous pouvez le faire beaucoup plus grand, sans aucun problème. Ensuite, ce qu'on va venir faire, voyez, on va venir tout simplement faire un rang et un deuxième. Donc, en terminant, terminez bien par les deux rangs de boucles tout à fait normales. Et là, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai ce que j'ai fait comme petit bord. Vous voyez? C'est un petit bord très printemps, voilà, très joli. Vous voyez? Qui fait vraiment toute l'extrémité à chaque fois du châle. Et j'ai terminé par mes pompons. Donc ici, je voulais mettre au départ, mais j'ai complètement oublié pour vous être vraiment sincère. Je voulais mettre en fait une perle. Comme à mon habitude, vous savez, je fais ça depuis des années. Je voulais mettre une perle ici, vous voyez. Et en fait, je trouve que ce nacre avec la loco, c'est juste une tuerie. Vraiment, c'est trop joli. Vraiment. Ce châle, il est très délicat, donc je vous conseille de prendre du nacre et pas du bois. C'est chacun ses goûts. Hein. Mais si j'aurais mis du bois, en fait, ça aurait fait peut-être un peu moins délicat. Je vais vous montrer. Donc ici, j'ai des énormes perles, donc faites pas attention. Mais c'est juste pour vous montrer les couleurs. Vous voyez, ou celui-ci, ça va encore. Mais personnellement, je trouve beaucoup plus joli avec le nacre. Pour commencer la bordure, il faut que vous ayez fait vos deux rangs de boucles individuelles. Vous savez, on a le rang où on fait la petite V, le rang de remplissage et les deux rangs de boucles. Donc maintenant, le suivant, on fait une maille coulée au milieu du motif de bord. On monte avec trois mailles en l'air et on fait notre motif de bord. Donc deux brides, une maille en l'air et deux brides. Maintenant, on fait une et deux mailles en l'air. On va dans la boucle qui suit et on se plaque avec une maille serrée. Maintenant, on fait deux mailles en l'air de séparation. Dans la boucle suivante, on va venir faire une bride, deux mailles en l'air et toujours dans la même boucle, une deuxième bride. Deux mailles en l'air dans la boucle suivante, maille serrée. Deux mailles en l'air dans la boucle suivante, une bride. Deux mailles en l'air et une bride toujours dans la même boucle. Deux mailles en l'air, on se plaque dans la boucle suivante par une maille serrée. Donc tout le long, on va venir alterner une petite V, une maille serrée, une petite V, une maille serrée, jusqu'à arriver au milieu. J'ai quasiment terminé, j'arrive à la fin, vous voyez, juste avant le motif d'angle. Donc là, vous faites deux mailles en l'air et vous faites votre motif d'angle ici. Donc pareil que d'habitude, hein, deux brides, une maille en l'air et deux brides. Une et deux. Et maintenant, c'est reparti de l'autre côté, on va répéter ce qu'on a fait ici. Donc on fait une et deux mailles en l'air. Dans la boucle suivante, une bride. Deux mailles en l'air et une bride. Deux mailles en l'air. Dans la boucle suivante, on se plaque par une maille serrée.
voyez, comme ça, de ici, on a le motif du centre, et de chaque côté, on a une petite V. Donc à partir de maintenant, après la maille serrée, deux mailles en l'air. Donc à partir de là, après les deux mailles en l'air, dans la boucle suivante, vous repartez avec deux mailles en l'air et une bride. Deux mailles en l'air dans la boucle suivante, maille serrée. Deux mailles en l'air dans la boucle suivante, une petite V. Une bride, deux mailles en l'air et une bride. Deux mailles en l'air dans la boucle suivante, une maille serrée. Deux mailles en l'air dans la boucle suivante, une petite V. Donc on vient alterner tout le long, hein, comme vous avez compris, c'est vraiment très simple à réaliser. Deux mailles en l'air, ici j'arrive dans la dernière boucle, maille serrée, deux mailles en l'air et le motif de bord. Une bride, une deuxième, une maille en l'air et deux brides. Une et deux. Maintenant, le deuxième rang de finition. Vous voyez, je vous montre la forme que ça doit avoir. Donc, on retourne. Le deuxième rang de finition. Motif de bord. Donc, deux brides, une maille en l'air, deux brides. Maintenant, on fait une, deux et trois mailles en l'air. Sur la maille serrée suivante, vous vous plaquez par-dessus par une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, quand vous arrivez dans les petites V, on va faire dans les petites V, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Maintenant, on attrape ici, dans la maille serrée, vous voyez, je vais vous montrer ici, les deux morceaux qui sont vers vous. Donc, 1 et 2, vous voyez. Vous ramenez votre fil, maille coulée. Au même endroit, une deuxième maille serrée et de nouveau le picot. 1, 2, 3. On attrape les deux morceaux de la maille serrée, donc 1 et 2. On ramène le fil, maille coulée. Au même endroit, troisième maille serrée et le picot. 3 mailles en l'air, on attrape le morceau ici, les deux morceaux de la maille serrée, maille coulée. Au même endroit, une quatrième et un quatrième petit picot. 3 mailles en l'air, on attrape les deux morceaux de la maille serrée et on fait notre maille coulée. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on se plaque sur la maille serrée. En faisant une maille serrée. Et c'est tout ce qu'il faut répéter. Donc de nouveau, deux mailles en l'air, vous allez dans la petite V et vous recommencez vos petits picots. Donc une maille serrée, une, deux, trois. On attrape les deux morceaux de la maille serrée et on fait notre maille coulée. Au même endroit, une deuxième maille serrée. Une, deux, trois. On attrape les deux morceaux de la maille serrée, maille coulée. Au même endroit, une troisième. 1, 2, 3. On attrape les deux morceaux de la maille serrée, maille coulée. Et au même endroit, un quatrième. Donc maille serrée, 3 mailles en l'air et on forme notre picot en attrapant les deux morceaux ici de la maille serrée. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe sur la maille serrée suivante, maille serrée par-dessus. Donc vous allez venir continuer. Ici, après la maille serrée, vous repartez avec 3 mailles en l'air. Votre remplissage, 3 mailles en l'air, maille serrée sur la maille serrée, 3 mailles en l'air, remplissage, etc. Quand vous avez terminé le dernier remplissage ici, 3 mailles en l'air, le motif du centre, 3 mailles en l'air, vous repartez avec le remplissage, ensuite 3 mailles en l'air, maille serrée sur les mailles serrées, et quand vous arriverez ici, vous vous plaquez donc sur la maille serrée, 3 mailles en l'air et vous faites votre motif de bord, tout simplement. Et là, on pourra couper le fil. Maintenant, une maille en l'air et puis vous allez venir couper votre fil parce que c'est terminé. Et vous tirez. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, si vous avez des fils à cacher, vous les cachez. Et puis on va venir se préparer des pompons à franges. Donc vous prenez votre pelote et vous allez venir faire à peu près, que je ne vous dise pas de bêtises, plier ça quand ça fait 29 cm environ. Vous voyez, une fois que c'est bon, vous faites en maintenant que des allers-retours. Vous continuez, vous voyez, jusqu'à avoir un gros tas de franges. Une fois que c'est bon, vous en avez vraiment beaucoup, vous coupez ici le fil et vous allez venir égaliser tout ce que vous aviez.
ici. Il faut vraiment tout couper, vous voyez, pour égaliser. Vous maintenez ça comme ceci, bien droit. Hop, à peu près. Hein. Et vous venez couper l'autre côté. Parce que comme on a fait des allers-retours, ça fait comme des petites boucles. Une fois que c'est bon, vous allez venir ici en garder deux. Et vous en prenez une des deux. Vous la mettez à plat sur votre table. Vous mettez les pompons ici, le pompon à franges, donc toutes les franges par-dessus. Et vous faites un double nœud. Une. Deux. Maintenant, vous pliez ça en deux. Vous remettez un fil sur la table. Vous mettez votre pompon. Et vous allez venir viser là où vous voulez que, là, ici, la tête du pompon soit, vous voyez, donc la boule. Vous serrez bien fort, vous faites un double nœud. Et maintenant, vous prenez ici et vous allez venir ajuster pour que tout soit droit. Hop! On tourne un petit peu, on refait la même chose et vous ajustez tout parfaitement. Une fois que c'est bon, avant de coudre le pompon à franges, vous pouvez très très bien prendre une perle et passer en fait avec un crochet beaucoup plus petit. Par exemple là c'est un 2,5, vous passez à travers la perle, vous attrapez ces morceaux-là, donc vous les pliez. Et vous les faites glisser à travers le pompon. Hop. Et maintenant que ça c'est fait, vous pouvez maintenant, ici, vous écarter et vous pouvez l'accrocher. Vous piquez de haut en bas, vous récupérez ici un petit morceau et puis vous avez juste qu'à faire votre nœud. Hop, avant de serrer totalement, vous regardez que tout soit bien mis au centre. Une fois que c'est bon, c'est bien accroché, vous allez venir cacher vos fils à travers votre ouvrage. Et puis vous allez faire ça dans toutes les extrémités et on se retrouve. Voici le châle une fois terminé. Donc ici, je vous ai dézoomé un petit peu. Vous voyez ici, j'ai pas mis les perles parce que j'ai oublié, comme je vous disais. Mais c'est dommage, hein, ça aurait fait vraiment très joli. Donc voilà, écoutez, il est tout aussi beau comme ça, il est frais, il est délicat, il est très féminin en fait. J'espère vraiment que le tutoriel d'aujourd'hui vous aura plu autant que moi. Vous pouvez tout aussi bien réaliser ce châle par exemple avec la laine caprice, ça fera un très très joli rendu. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.